Monseigneur Zeilander, je ne puis croire que Bizot ait convoqué un hérétique tel que toi. Bon, moi je n'essaye pas de l'étrangler chaque fois qu'il m'impose un plan. Ah, tu vas voir, hérétique. J'aurais très bien pu me débrouiller, tout ça, mais j'apprécie que tu aies pris mon côté. Frère Ludwig von Helsing, grand architecte de l'ordre. Je suppose que je m'adresse à frère Adolf Führer. C'est bien ça, frère Ludwig. Ne t'appelle pas trop, moi. Moi, je suis terrorisé. Oh. Enfin, je suppose que le fait d'avoir un ennemi commun va de nous dire. Un ennemi? Mais non! Ce bouffon m'amuse! S'il essayait pas de me mettre tout le temps sur le bûcher, ma foi, il m'est fort sympathique. Parlons-en de ta foi! Oh là là! Pense ton du Christ, Heinrich! Y a-t-il, Bizol? Lâche Adolf et le mec! D'accord! Sur le champ, enfin! Bon. Combien nous sommes tous là? Adolf, Ludwig, Heinrich, mais où est Roberto? Je crois l'avoir vu sur la place publique. Il paradait devant des badauds, comme une fille de joie. Morbleu! Il m'aura encore pris au mot lorsque lui ai demandé d'aller se faire voir. Problème. De toute manière, il n'a pas besoin d'assister à une réunion, il n'en retient pas un traître mot. Non. Bon, soit, commençons. Approbation. J'ai un plan. Ah, nous allons partir en caisse. Encore? Comment ça encore? Vous n'avez pas compris? Ce plan était pourtant simple, abordable même pour Roberto. Mais oui, ce plan est parfait. Parfait, en effet. Y a-t-il des questions? Oui, où allons-nous? Y a-t-il une autre question? Quand partons-nous? Demain matin, 10h. Mais je vais rater la messe! Tu pourras toujours célébrer la messe en chemin. Célébrer la messe en ta présence serait une hérésie. Silence, vous deux! C'est moi qui commande ici! Bon. Que tout le monde est d'accord, rendez-vous demain au portail nord à 10h. Est-ce qu'on peut poser une autre question? Non. Et maintenant? Hérétique!